suis retourné chez Jouet Club. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis retourné chez Jouet Club. Et oui, c'est une drogue. J'ai besoin d'ouvrir des figurines. On va se calmer. Ok. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, nous avons ouvert des petits paquets de figurines qui provenaient d'une action extraordinaire. Finalement, il y avait eu toute une histoire autour de ces figurines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Comme vous avez pu le voir, et je vous le remontre. Parce que on a vraiment envie de faire partager cette passion Harry Potter. Je vous remontre cette petite figurine. Hein, on va même focus sur cette petite figurine. Regardez ça, comme elles sont belles. Elles sont là. Il manque Nagini, c'est normal, parce qu'il se casse toujours les gueules. Et voilà, nous avions eu toutes ces petites figurines, fort sympathiques. Mais il nous en manque. Eh oui. Et nous, on veut les collections complètes. Et ça me fait hurler dans mon micro parce que ça m'énerve quand on n'a pas les collections complètes. Alors je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, attention, avoir la collection complète, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. C'est risqué, tu peux avoir des doubles. Ça vaut quand on sait pas tâter. Mais j'ai appris à tâter. Je suis devenu tâteur professionnel. J'ai expérimenté du tâtage. Je me suis entraîné à tâtonner. Et quand je suis revenu ce matin chez le club, je suis arrivé vers la vendeuse. Directement. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui dis, écoute, je vais tâter tes figurines. Jusqu'à ce que je trouve celle que je cherche. Mais attention. Je les aurai toutes. Parce que je suis un dresseur Pokémon. Et mon but, c'est de tous les capturer. Alors amène-moi au carton des figurines. Et je vais tâter, tu vas voir, ça va pas traîner. J'ai tâté 45 minutes. Je suis devenu fou. J'ai retâté 30 secondes. J'ai pété un câble. Alors, que je vous explique. Nous avons du sachet. Sur ces deux sachets, que je ne me trompe pas. Hop là. Voilà. Ces deux-là, qui sont les deux premiers de la pile, vous ne l'avez pas forcément vu parce que je suis allé très vite, mais voilà. Ces deux-là, je les ai pris au pif. En fait, je me suis dit, je vais en prendre 10, ça fait un chiffre rond. Mais je ne sentais pas, vous savez, le monsieur Perceval, la Jean Mou du Schnock, celui que tout le monde cherche, qui est en un seul exemplaire dans la boîte. Du coup, je me suis dit, aïe, la main de la chance, je prends deux paquets au pif et on verra ce que je peux trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ces paquets. Je vais les ouvrir avec vous, je vais les ouvrir devant vos yeux ébahis. Et on va voir qui on a. Et j'espère du fond du cœur. Trouver Albus Dumbledore, le professeur Trelawney, Ron, Norbert Dragono, ça pourrait être sympathique. Et puis après, je me fiche un peu du reste. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais bon, déjà, je m'en souviens déjà plus. Ah si, j'aimerais bien voir Neville et Cho. Une fois qu'on aura tous ces personnages, si tant est qu'on les ait, ça m'ira très bien. J'en profite pour vous dire, il va y avoir sûrement des doubles. Parce que, en fait, je suis absolument pas expert en tâtonnage. Du coup, les doubles, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont être à gagner. Pas tout de suite, vous allez voir pourquoi bientôt. Et pour ça, comment faut le savoir? Eh bien, il faut suivre cette petite chaîne YouTube. Alors, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. On va ouvrir ces figurines. On va croiser les doigts. Croisez les doigts tous, croisez les doigts. Envoyez-moi votre énergie. Hein, je veux faire un Genki Potter. On va changer de vue. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a ces deux paquets, on les ouvrira pour la fin. Vous allez voir, je vais les mettre de côté au moment où on va les ouvrir. Ces deux paquets-là, si dedans il y a la figurine que tout le monde cherche. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais ces deux paquets-là proviennent d'une boîte qui a été ouverte spécialement par la vendeuse qui a pris pitié de moi en me voyant tâtonner. Donc on les ouvrira à la fin. Si elles sont dedans, vous pourrez m'appeler Harry. Allez, on ouvre. Bien, donc. Cette fois-ci, nous allons ouvrir ces figurines en vidéo. Chose que je n'avais pas fait la dernière fois. Ici, il y a les deux paquets de la chance. Donc on les met de côté, je vous jure que je ne les ouvre pas. Donc j'ai prédécoupé à peu près tous les paquets. Il y en a que j'ai prédécoupé un peu plus que d'autres. Je me suis un peu raté parce que je me suis souvenu qu'ensuite, s'il fallait en refermer certains, ça allait être un peu galère. Du coup, on va tous les ouvrir un par un. Je les ai tous sur le côté. C'est parti, ça commence. Alors, bon, on voit un peu... Mais le talent, messieurs dames, le talent, oui, il est là. Bien sûr que oui, vous l'avez reconnu. Mais qui c'est le patron? C'est pas du tout la main de la chance, là. Oh. Appelez-moi monsieur Potter. J'ai hurlé dans le micro. Là, je vois la courbe Audacity. C'est plus une courbe, c'est un mur bleu. Pour ceux qui connaissent le logiciel, il est mort. Mon micro est décédé, il sue. Bon, bah voilà, nous venons donc d'avoir la figurine... Tant recherché. Nous sommes ce pata. J'allais vous dire qui c'est qu'on veut. Lui, on le veut bien. On veut bien Norbert, on... Ah oui, Maugrey Foleuil, j'aimerais bien l'avoir. Dumbledore, Trelawney, Cho, Ron. Donc, chose faite, nous avons déjà ce petit monsieur que nous allons bien évidemment installer. Une première petite figurine. Bon bah on va enchaîner. Ah bah nickel, Dumbledore.
Le tatage, je crois qu'il a été réussi. Je pense qu'on peut partir sur un professionnalisme du tatage. On a Dumbledore, c'est parfait, je vous le montre. Voilà, il est très beau. Il est beau, le Dumbledore, avec la baguette de Sureau. Alors, qui c'est qu'on va avoir là? Mais en vrai. On en est où au niveau du tatage? Le mec, il a annoncé. Il a, voilà, un petit Ron Weasley avec son petit rat. Que de vert. D'ailleurs, est-ce qu'il lui manque un... Oh non, ils l'ont pas fait. Bon, en même temps, ça aurait été extrêmement compliqué. Mais ils auraient pu lui faire une sorte de patte en moins, un truc qui soit assez révélateur de l'histoire. Bon, 3 sachets sur 12. On a déjà... Bon, on a aucun double, ça, c'est sûr. Ah, bah, Maugreffe l'œil. Mais oui. Mais bien sûr. Le tatage continue. Le tatage est très bon. Maugreffe l'œil. T'es beau, mon fils. On continue. Cédric Diggory. Eh bah, Cédric Diggory sera ta gagnée. Allez, le petit Diggory, que voilà, il est beau. Eh bah, voilà, Cho Chang. Allez, c'est parfait, on continue. On est heureux avec son petit hibou. C'est parfait, ça, c'est nickel dans le décor. Pour l'instant, un double, mais pas de la même série d'achats, on va dire. Ah bah, merde, encore Diggory. Le tatage, je crois qu'il a été réussi. Je pense qu'on peut partir sur un professionnalisme du tatage. On enquille. Qui c'est qu'on a eu? C'est Dobby. Dobby le retour. Un deuxième Dobby. C'est plutôt cool. Allez. Ah, bah cool. Un personnage qu'on n'a pas. Et voilà. Elle est pas belle. Et ça... Ah, bah ça, c'est le... Ok. Donc, je l'ai... Cool. Je suis déçu. Je voulais Professeur Chourave. Pas Professeur Chourave, Professeur Trelawney. Hop. Allez, les 2 sachets. Regardez, je les ai pas ouverts encore. Je vais les ouvrir devant vous. Voilà. Très impressionnant, je coupe au ciseau. Mais, eh ben voilà! Allez, le petit professeur Trelawney! Il est pour nous! Suffisait de demander! Eh ben, lui aussi sera à gagner dans le petit concours, parce que je l'ai déjà. Par contre, pourquoi est-ce qu'il a une sorte de haut-parleur? Enfin, un mégaphone. Pence. Bon, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a eu. Bien. Après cet opening, on va le dire, pas pour les cardiaques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements finalement. Nous avons été gâtés par cet opening, je vous remonte les figurines qu'on a eues. Ici nous avons les personnages des animaux fantastiques, à part le professeur Trelawney qui n'en fait pas partie. Voilà, on a eu l'ultra rare de cette série, Grindelwald. Et nous avons eu Dumbledore, nous avons eu Ron, nous avons eu Cho là-bas derrière avec son petit hibou. Et nous avons eu le professeur Folleuil. En tout cas, ça a été un grand moment. J'en perds carrément la voix. Tout part en cacahuète. Je regardais juste. Je vous rappelle qu'il y a 2 Cédric Diggory. Donc, je vais remettre dans les sachets. J'ai gardé quelques sachets. 2 Cédric. Il y aura un petit Dobby aussi, avec son livre et sa chaussette. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite série de vidéos sur l'opening. Parce que la première, on n'a rien ouvert du tout. J'espère peut-être qu'il y aura une seconde série, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le professeur Rogue en termes de mini-figurines. Ça aurait été cool, ça aurait été sympa d'avoir Rogue, d'avoir McGonagall. Il nous manque d'autres personnages qui auraient pu être sympas. On aurait pu avoir Bellatrix Lestrange, Sirius Black, Peter Pettigrew, les parents de Harry. Où sont-ils, les parents de Harry? On aurait pu avoir, qui c'est qui nous manque comme professeur? Hagrid. Si Lego peut peut-être une seconde série, je prends, franchement je le prends. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou avec le petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre les aventures extraordinaires de ces petites mini figurines derrière moi. Ben, moi je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao.